la chanson, c'est beau. Dimanche à 15h, les gars, côté. Donc il faut qu'on conserve ça, il faut qu'on ait de la concentration à partir de maintenant. Et qu'on lâche pas jusqu'à la fin du match, les gars. Ok, aujourd'hui, il va y avoir du monde. Il fait beau, tout est réuni pour qu'on passe une belle journée. Ok. Donc il faut absolument qu'on mette tous les ingrédients de notre côté. Qu'on soit hyper concentré dans tout ce qu'on va faire à partir de maintenant. Sur les placements, sur tout ce qu'on vous demande depuis le début de la saison. Les gars, aujourd'hui, là, c'est de la répète, il faut que ça roule. Vraiment. On sait les gars, on sait. Niveau rugby, on sait ce qu'on a à faire. Et on sait que vous êtes capable de le faire. Après, c'est toujours la même chose, c'est la concentration. Est-ce qu'on sera assez concentré pour arriver à ce qu'on veut faire? Ok. Donc, ce matin, ça va être tranquille. Il faut vraiment, on rappelle, la concentration, c'est hyper important. Ok. Vous allez partir par 4 ou 5, vous faites des vagues sur la largeur du terrain. Après, on fera un petit atelier tranquille de passe, histoire de dégourdir un peu. Le cerveau est vraiment dans votre confiance. Allez, les gars, par 4 sur la largeur, vous ne mettez pas tous en même temps. Vous prenez tout ce que vous voulez. Basculez là-bas. Entre deux lignes, vous mettez, les gars. On a pris des dés pour vous donner un peu. Ouais, ok. Allez, les gars, des bonnes passes, tranquille. Et il y en a un qui passe avec eux là, que vous soyez 5 par 10. Par rapport au mec de l'abbé, tout ça, tout ce qui va se passer, le repas et tout, faut pas qu'on se laisse déconcentrer par tout ça. D'accord ? Que ce soit clair dans vos têtes, les gars. L'objectif, c'est le match. C'est à 17h30, vous serez libérés de tout ça. On pourra faire la soirée. Ce sera un bon moment pour nous voir tous ensemble. D'accord ? Par contre, avant, il y a le match et c'est ça qui prime sur tout le reste. Les dimanches, les gars, à la Bidali, c'est ça qui prime. C'est tout. Ok ? On reste concentré. Et plaisir aujourd'hui. Du plaisir. Du plaisir, il faut qu'on se gave. D'accord ? On fait beau, tout est réuni, les gars. Plaisir. Ok, les gars ? C'est le maître mot aujourd'hui, plaisir, ok. On laisse pas de jus dans les conneries les gars, et hydratez-vous, buvez, okay. Forcez-vous à boire, d'accord, c'est pas 2h30 qu'il faudra boire, ok, donc à partir là, après manger là, vous buvez, ok, ça marche. Les gars, juste par rapport à ça, c'est la dernière de ce groupe là, forcément, tu vois, mais comme Flo, il sera plus là l'année prochaine, donc c'est la dernière de ce groupe, de cette saison, donc on galvote pas ça, c'est bien, on se laisse pas polluer jusqu'à 3h, il y a le contexte, il y aura l'émotion du dernier match. Plaisir, d'accord, mais ça passera par la rigueur, les gars. C'est interdit d'en prendre 40 contre le Levezou, les gars. On leur laisse rien, ces types. Il y a les mecs de la baie qui peuvent pas jouer parce qu'ils sont pas déplacés de baie. Donc ça, dans un coin de la tête, on y pense. Et on pense aussi aux 40 points qu'on a pris là-bas. On avait l'objectif de pas finir les deux derniers. Ça passera par une victoire cet après-midi. Donc là, on profite d'être ensemble, les gars, jusqu'à 15h. Et à 15h, feu. On leur roule dessus, à ces mecs. Ok, les gars, sérieux jusqu'à 3h. Et Conchis, les gars, venez voir. Pour ceux qui ne connaissaient pas, cet arbre-là, là, ça a été notre arbre de discussion pendant des années. Après, ouais. On venait là, avant les matchs, et la tête de Jean-Mi est bien constatée. Et les plumes, là. Ouais, là, c'est proposé qu'on change d'endroit, qu'on aille dans les. Ouais. C'est pas encore. C'est bon pour chier, on va où là? Toi qui connais un peu le coin. Allez, on te suit. On va aller jusqu'à la Vidali. Ben, c'est au poste là. Et au virage pour ce soir. Donc aujourd'hui c'est un petit peu particulier, il y en a un parmi nous qui va trouver un choix professionnel, personnel, qui va quitter le club, qui a marqué aussi son passage, un peu comme j'ai dit l'an dernier, donc c'est Flo qui est là. Donc écoute Flo, sois pris par l'émotion, sois solide, tu fais partie des gens assez solides dans le club. Donc on te remet ton talon RCAV. Donc fais-en un bon usage et tu verras un petit peu de faire un match à toi. Non.
satisfait de votre saison? Il y a quelques matchs qui nous laissent des regrets sur l'ensemble de la saison. Par contre, là, ce qu'on a validé, c'est un état d'esprit cette saison. C'est l'état d'esprit que vous avez eu malgré toutes les embûches, les contraintes qu'on a eues, malgré les blessures à des postes très importants, des postes clés à certains moments qui nous ont mis dedans. Malgré tout ça, on a toujours pu compter sur votre implication, sur votre solidarité, sur votre bienveillance générale. Donc ça, c'est validé et ça, c'est le plus important. Maintenant, quand on va faire le bilan de cette saison, on va forcément regarder aussi le classement sportif parce que c'est pour ça qu'on bosse aussi, on ne va pas se le cacher. Aujourd'hui, ce match il est d'autant plus important que si on gagne, la saison elle est définitivement bonne parce qu'on ne sera pas dans les deux en rouge. Si on perd, on y sera. Et donc, il faut qu'on valide avec une victoire aujourd'hui. Une victoire à la maison, avec énormément de plaisir. Comme tout ce qu'on va faire, il fait beau, il y a des copains. Il y a vos familles qui seront là, il y a tout le monde, c'est très bien. Aujourd'hui, il faut qu'on gagne. Si on peut les cartonner, on les cartonne. Attention aux pièges, ne pas tomber dans leur truc. Ceux, ils ont essayé d'imposer un rythme de merde, on le sait, on a travaillé avec ça. Ça fait 15 jours qu'on travaille là-dessus. Donc on ne tombe pas dans ce piège-là, c'est à nous d'imposer notre rythme aujourd'hui, de faire notre rugby. D'accord les gars? Donc on valide ça tous ensemble avec une victoire. Et vous allez voir que ce soir, la fête, elle sera belle. La seule fois où on est passé à côté, c'est quand on n'a pas mis les ingrédients qu'il fallait. C'est les seules fois où on est passé à côté. Des fois, on a mis les ingrédients, on est tombé sur plus fort que nous cette saison. Ça nous est arrivé. Là, c'est pas grave. Le rugby, quand ça se passe comme ça, c'est pas grave. Par contre, ces mecs-là, on le sait qu'on peut les prendre, on est chez nous, on les prend. On finira avec ça. Pensez pour les potes, là, qui passent malgré tout une bonne journée, d'accord? Et si on leur pose la question à tous, est-ce que vous préférez boire des demi là au soleil ou faire un match de rugby? Je ne suis pas sûr qu'il y en ait beaucoup qui vont vous répondre qu'ils préféraient être en train de boire des demi. Et c'est ce que je vous ai dit à l'entraînement vendredi. Quand vous allez mettre ce maillot, il y a trois mecs qui vous regardent jouer qui pourraient le mettre à votre place. D'accord? Donc on joue aussi pour eux. Parce qu'ils nous ont servi la soupe à midi. Ils nous ont fait sparring partner vendredi soir. Et nous, eux, ils nous ont pas lâchés. Ok, donc dans cet esprit club, toujours ce qu'on essaye d'entretenir un maximum, on joue aussi pour eux. Et après tout le reste, ça va vous appartenir. Ok? Ceux qui veulent aller au vestiaire, vous pouvez y aller. Les autres, vous papillez ou pas, on reste soudés ensemble. Ok? Vous préparez votre match. Je suis maintenant, c'est à vous. Allez. Ça viendra après les gars. Si on met les ingrédients, le reste ça s'assurera. On le sait les gars, ils vont nous imposer beaucoup de jeux à une passe. Beaucoup de jeux à une passe.
tactiquement, c'est pas le plus dur à défendre, par contre, ils vont nous user. Ils vont venir nous chercher, avec nous jouer une passe dans l'axe, dans la zone du 10, dans la zone avant 10. Ils font beaucoup ça. Donc là, il va falloir être fort, il va falloir être derrière et solidaire. D'accord ? Et ils viennent, il ne crée pas beaucoup d'incertitudes, par contre, ils vont chercher à avancer. Donc, toujours en défense, des bons impacts, on fait reculer, on monte ensemble. Quand on annonce du direct, on monte pour fracasser les mecs. Et on plaque en bas, pas de faute. Allez, on est propre, on leur laisse rien, les gars. On leur laisse rien. Il n'y a pas à tergiverser, tout ce qu'on a mis en place, on connaît tout par cœur. Il n'y a aucun doute dans la tête de personne. Maintenant, c'est de la concentration et l'envie de fracasser les mecs. On ne joue pas à l'économie. Hein. Duf. Je crois que c'est un toqué. On m'engagera les gars. Encore 10 minutes, les gars, 10 minutes pour se préparer. On pense plus qu'à ça, les gars, à ce coup d'envoi. On profite de ces moments d'investir ensemble. On pense qu'à ce coup d'envoi, les gars. Alors roulez dessus dès la première, hein. C'est interdit de promener la maison là. Les gars, tout de suite, on a demandé à Antoine d'engager loin, d'accord? Donc ça veut dire comment parler, mettre la pression, pas en marchant les gars. On met la pression, il faut absolument qu'ils dégagent tout de suite, qu'on récupère un ballon dans leur camp tout de suite. Et à partir de là, on met le tempo. C'est comme ça que ça doit se passer les gars. Faut que ce soit clair dans vos têtes. Bonjour. Allez, je vais prendre les premières lignes les gars, s'il vous plaît. Interdiction de prendre un porté aujourd'hui. Interdiction. Dès que ça tombe en bas, c'est ce qu'on travaille depuis le mois d'août. Ça tombe en bas, on lit à deux, à trois si on peut, et on fracasse avec de l'impact. Et on fracasse. Interdiction de prendre des portées face à ces mecs. Interdit. Si on y est sur ces phases de combat, on y sera dans le reste. Si on se trompe, on rattrape la connerie du pote. C'est comme si c'était la vôtre de connerie. C'est pareil, on travaille en équipe, les gars, il n'y a que ça qui prime. S'il y en a un qui marque, c'est parce qu'il y en a 14 qui ont fait quelque chose avant. On ne s'explique pas la vie, par contre, c'est un concours de plaquage, un concours, on doit se pousser pour y aller. S'il y en a un qui a du mal à se relever, on le prend par le maillot, on le lève, et on l'aide. Et on enchaîne les tâches, tout le temps, il va faire chaud, ça va être dur, mais pour eux aussi ça va être dur les gars. Si on impose le rythme, ce sera plus dur pour eux que pour nous, ça c'est sûr. Thank you.
Ils sont pris les 22 mecs du bonheur de jouer un dernier match à la Vidali. Rien pour ça, les gars. C'est interdit d'être en dessous dans la motivation, interdit. Et Flo, t'es le premier là, tu fais un gros match. Tu lâches tout. Tu n'auras pas de petit coup pour toi. Tu auras 4 points pour s'opposer à ça, les gars. On lâche tout de la première à la 80e. On est des privilégiés de jouer ce match. Donc on fait un gros échauffement. Et ces mecs ont les crêpes. C'est pas un match amical de fin de saison, là, les gars. J'ai envie qu'on leur roule dessus. Qu'on leur roule dessus. Donc on se dit à 22, on le gagne, et avec la manière. Ok, les gars, allez. Thank you.
Ron. Arthur. Arthur. Flo. N'hésitez pas, si vous avez soif, allez au haut du verre et sous la tribune chez Félix de Jean-Louis. Soufflez les gars, récupérez, récupérez. Un mot pour les gros les gars, pour la conquête, on touche, on n'est pas loin. On n'est pas loin pour les contrer, d'accord? Donc encore, cet effort-là, vous avez vu, ils ne font pas des trucs très très compliqués. À nous d'être vite en haut, de chercher à taper ces ballons, d'accord? Dans le touche, il faut qu'on continue nos efforts. À chaque fois qu'on a sauté, on était à deux droits. Okay, par contre, la défense, cette fois, parce qu'on est un peu fignard là. Okay, donc il faut vraiment qu'on fasse l'effort dès qu'on travaille. Même si on ne récupère pas tous les ballons, on va contrarier leur lancement, d'accord? Mêlez, vous me trouvez une solution. Je ne vois pas ce qui ne va pas, bon, je ne vois pas ce qui ne va pas. Mais vous trouvez une solution. On prend trop des bras cassés à la con sur des problèmes de commandement, sur des problèmes à la con. Vous n'allez pas me dire qu'on subit en mêlée aujourd'hui, mec. Ok. Donc, vous respectez tout ce qu'on a vu. Seconde ligne, vous montez ensemble. On monte en décalé. On se fait chier tout seul comme ça. Vous vous réglez. Vous faites les deuxièmes lignes, tous les quatre genoux au sol. Pas un cas deux, pas un cas deux, pas un cas un. Ok. Première ligne, vous serrez bien. Lucas, j'arrive pas à voir quel est le problème à droite là-bas. Faut pas pousser. C'est ça. Mais il faut qu'on arrête de se faire pénaliser. Dès qu'on a nos ballons, les gars, dès qu'on a nos ballons, on se porte le plus qu'on arrête. L'essentiel, c'est qu'on ait une rampe de lancement propre. On sait avertir une fois, on est pénalisé. Maîtrise, c'est bon. Ok. On a nos ballons propres, on reste comme ça. S'il veut se coller, mec, qu'est-ce que se coller? Fais l'effort de rester en balle. D'accord. Faut pas provoquer. C'est tout qu'on maîtrise pas. Les gars, la tête froide, on peut s'animer sur ce qu'on fait, les gars. On se précipite, on tombe dans un faux rythme, tout ce qu'on voulait éviter. On joue à la baballe, les gars. On a joué systématiquement dans la défense. On recule les blocs, on annonce des passes, des spéciales. Si on écarte, vous êtes à la rue, les gars, j'en suis convaincu. Sauf que on va taper comme des bourrés et on prend aucune profondeur. Tous les ballons, on a joué à la baballe dans la défense. On a pris des carreaux en plus, les gars. On règle ce souci en touche, en défensive. On va croquer les ballons. Juste un peu plus réactif, on serre les blocs. En mêlée, ce que nous ont dit les coachs, les gars. On rentre surtout pas avant, c'est des fautes bêtes, ça. On se pénalise tout seul, les gars. Eux, ils jouent tranquille, ils déplacent le ballon. On a le vent avec nous. Le premier quart d'heure, là, on se rassure un peu, les gars. On va jouer chez eux, et après, on conserve. Chez eux, on conserve, on va chercher des points. Mais la tête froide, les gars.
La tête froide. La maîtrise, les gars, c'est ça. Hein. La maîtrise, c'est de conserver le ballon. Les gars, si on fait 3, 4 temps de jeu consécutifs, ils sont à la rue. Chaque action, il y a 4 mecs au genou au sol. Hein. Les gars, sauf que c'est de la conservation. Et sauf que la conservation, ça veut aussi dire se replacer. C'est pas une action et après j'arrête. C'est une action et je me replace et j'enchaîne les tâches. Et je fais une autre action et je me replace et je refais une autre action, les gars. Les gars, c'est ça, les gars, la conservation. D'accord ? La conservation, c'est pas que les oracles et les libérations. Trop gentil, les gars. Quand je vois Jim prendre le ballon, renverser deux mecs, c'est ces attitudes qu'il faut avoir, les gars. J'ai pas l'impression qu'on joue au dernier match à la maison, hein. Quand le copain d'à côté, il renverse deux mecs, t'as envie de faire pareil. C'est interdit de perdre, les gars, ouais. On est à la mi-temps. Allez, ok. Allez. Simon, tu vas chauffer avec Mika. La gueule va te chauffer aussi. Allez, on s'y envoie, il faut se vider, ouais. 40 minutes, allez, il faut se vider. Allez, on donne tout, on avance, allez. On a été trop gentils sur ce premier mi-temps, les gars. Il y a réception propre, on va chez eux. Simple, les gars, simple. Il faut les marquer, Salut la vie d'Ali, on compte sur votre présence.
l'ensemble de nos bénévoles qui ont œuvré toute la saison pour nos effectifs, que ce soit à l'école de rugby, sur Paul Gel ou avec l'effectif senior. Merci à eux. Un grand merci également à l'ensemble de nos partenaires. Les partenaires de la rencontre aujourd'hui, Jardin Conseil et Nocène, spécialistes de l'aménagement de l'extérieur. Extérieur. Pour fêter la fin de cette 40e saison du SRV.